bon sang! Oh, ils sont têtus, ces mecs! C'était une grosse erreur. Sans blague. Tu sais, j'aurais dû tourner avant le pont. C'est très marrant. Oh, viens une minute. Faut que tu vois ça. Ce truc marche encore ? Regarde ça. Ok. Tu vois ce bâtiment sur le port ? C'est là que les bateaux arrivant dans la colonie déchargeaient leurs marchandises. Donc si le trésor d'Eldorado était arrivé sur cette île, eh ben il aurait dû transiter par là. Attends une minute, c'était quoi ? Quoi ? Rembobine. Ouais. Attends, stop. Juste là. C'est notre billet de retour, allez. Notre billet de retour ? Tu laisses tomber ? Tu n'as peut-être pas remarqué, mais on n'est que deux. On se débrouille bien jusque là. J'y crois pas. Elena, je veux pas avoir ton corps criblé de balles sur la conscience, on y va. Oh, arrête ça, tu veux ? Pars de ton côté si ça te chante, mais te sers pas de moi comme excuse. Bien. C'est moi, ok ? Je laisse tomber. Alors, tu viens ou pas ? Alors, c'est tout. Tu vas faire une croix sur le trésor et tout oublier sur Drake. Elena, ça vaut pas le coup de risquer nos vies. Ok. Ok. Écoute, de toute façon, il faut qu'on retourne au port. T'inquiète pas pour ça. On pourra en débattre plus tard. Ça va être cool ! Attends ! Cette fois, je conduis. Ok. Comment une colonie entière a pu être rayée de la carte ? On dirait qu'on a de la compagnie ! Fils de baril !
Qu'est-ce qui s'est passé ici? La ville est complètement inondée. Va falloir que tu nous couvres. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver comment entrer. Tu sais, une fois j'ai lu un truc sur un trésor inca maudit. Imagine que... Me dis pas que tu crois à ces conneries. Je dis juste que quelque chose de terrible s'est produit ici. Une colonie entière ne disparaît pas par enchantement. Oui. Alors c'est quoi ta théorie ? Y arriver en suivant ce câble. Allons, on voit ça de plus près. Je reste là et je te couvre pendant que tu descends. Essaie de trouver un accès à cette tour. Oh non. Il est là. T'es mort.
cool, c'est bien ce que je dis. Ok. Bien. Descendez, elle est là.
Tu ailles à cette tour. Je te retrouve au poste de douane. Oh non.
Ugh!
Je le vois.
Ça fait mal. Recule! Bon. Trouvons le port et espérons que le bateau est toujours là. Waouh! Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là, statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Hein? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna? La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées, juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Ah, j'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Thank you.
Ah. Je vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez. Hé, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrais pas ici que tu... que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. C'est qui ça encore? Attends voir, c'est pas Eddie ça? Come on.
J'adore ce flingue. Chargez tout ça sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate! Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate, mais bon... tu lui fais vraiment confiance ?
C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi trop qu'on traîne par ici ? C'est bizarre. Mais non. Celui-là a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis ? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux ? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Comment un truc pareil a pu arriver ? Tu vois ces traces ? Mmh. Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Ah 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 Elena ! J'y arrive pas ! Donne-moi ton autre main ! Il faut que tu la lâches ! Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Oh,
Cette rivière devrait nous mener au monastère. Va t'habituer à ça ? Bon sang, Elena, tire sur le baril !
aussi. Tout va bien? Ok. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe.